Et salut à tous, c'est le Farming 59. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2022 pour la suite de notre petite carrière suivie sur la map au Bailleron. Et donc aujourd'hui les amis, on va tout simplement déchaumer le grand champ qu'on avait acheté lors du précédent épisode. Voilà, avec le gros massé et le gros déchaumeur Lemken que vous voyez devant. On va faire aussi un petit peu de roulage de semi avec le petit rasol, le petit nouveau rouleau rasol qui est attelé donc sur le massé. Et on ira aussi un peu faire d'enrubanage, voilà, de l'enrubanage des boules que j'ai en trou en stock pour ensuite aller les vendre, voilà. Et puis on va préparer aussi un petit peu tout ce qu'il faut pour l'ensilage, parce que je pense que dès le prochain épisode on commencera les ensilages, voilà, pour histoire de se faire pas mal d'argent pour avancer plutôt vite. Et donc bah du coup les gars, moi je vous laisse sur quelques petits accélérés et on se retrouve juste après l'intro. Ok, du coup les amis, on se retrouve juste après ces deux petits accélérés, voilà. J'espère qu'ils vous auront plu les gars. Donc du coup voilà, je vous disais un petit peu le programme de la vidéo. Déchômage, parce que quand même il y a un sacré champ qui nous attend. Voilà, donc j'ai en off, vous avez pu voir que j'ai fini donc de presser. Enfin je sais même pas si j'avais commencé avec vous le pressage. Je pense pas d'ailleurs, parce que ça fait un petit temps que j'ai tourné le précédent épisode. Mais du coup oui, on a quand même pas mal de travail à faire dans cet épisode, voilà. Que ce soit au niveau du roulage des semis aussi, je pense que je vais pas avoir fini dans cet épisode. Mais c'est pas grave, hein, je le ferai... Quand j'aurai le temps, tout simplement, voilà. Et puis, pour l'enrubanage, on verra bien comment on avance dans l'épisode. Mais je pense que, voilà, on va se faire un bon petit plateau pour aller vendre tout ça ensuite à l'emplacement de vente, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer tout de suite. Hop. Voilà. Tac. Juste défaire ça. Bon, ça, je peux le laisser. Hop. Peut-être pas le laisser quand même. Voilà. Tac. En tout cas, bah, j'espère que vous allez bien, les gars. Hein. Ça va, nickel. Alors, j'ai juste regardé un truc, parce que la dernière fois, il me semble qu'il n'y avait pas le son du jeu. Je vais essayer de régler ça. Ouais, non, c'est pas ça. Ça doit être là. Ouais, je pense qu'on l'entend. Je pense qu'on l'entend. Donc là, pour l'instant, je vais commencer un peu à déchaumer avec vous, les gars. Voilà. Hop. Ok, on est parti avec le massé. Donc là, les amis, voilà, ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a pas eu... Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, parce que bon, j'avais
vraiment pas le temps. J'avais quand même pas mal d'examens et tout à l'université, donc j'avais pas trop le temps de vous faire des vidéos. Et puis surtout, bah, au niveau du montage, c'est ça qui me prend le plus de temps. Pour les uploads aussi, c'est pas, ça prend un petit peu de temps aussi. Donc voilà. En tout cas, là, je suis en vacances, donc je pense qu'il y en aura quand même pas mal qui vont sortir bah, pendant 15 jours du coup. Je vais essayer de vous faire ça un maximum, enfin d'uploader un maximum de vidéos pour que vous ayez un petit peu de contenu quand même sur la chaîne. Voilà. Et puis comme ça, bah, ce sera plutôt pas mal pour la suite. Hop. Se mettre en vue intérieure. Moi, je pense que je vais pas tout faire avec vous, mais je pense qu'il va pas en avoir pour très longtemps non plus après l'ouvrier. Donc ça devrait bien se passer. Ça devrait bien le faire. Hop. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de. Enfin, j'avais pas joué non plus sur la partie. Ouais, donc j'en ai profité un petit peu pour y rejouer juste avant quand même. Je vais peut-être jouer une petite heure. Mince. Je fais pas gaffe. J'ai joué une petite heure du coup avant de faire la vidéo. Tac, et puis je réutilise mon volant aussi. Ça c'est vraiment cool aussi de pouvoir jouer avec. Tac. Voilà. Voilà, j'aurais peut-être dû laisser une. Ouais, je vais faire ça la prochaine fois. Je vais laisser une petite fourrière. Que ça fasse un peu plus réaliste quand même. Hop, mais bon, avec ce déchaumeur là, ça va vraiment aller vite. Hein. Il fait 8 mètres, si je dis pas de conneries, 8 ou 9 mètres. Et je vais vous montrer aussi, après j'ai acheté un nouveau semoir. Parce que bon, j'ai fait quelques petits achats. J'ai vendu le Pottinger de 6 mètres. Voilà, j'ai racheté un autre semoir un peu plus gros. Toujours en semi-direct aussi. Voilà, même si bah, j'ai pas l'occasion d'en faire là. Parce que je voulais vraiment vous montrer en action le déchaumeur. Voilà, j'aurais pu le semer parce que là ici je pense que je vais remettre du colza vu que ça avait pas mal rapporté dans l'autre champ. En plus celui-là il est vraiment bah, c'est le plus grand, c'est notre plus grand champ donc c'est plutôt pas mal. Il y aura encore du changement dans le prochain épisode. Voilà, je pense que je vais vendre un des deux vieux tracteurs pour en acheter un plus gros. Parce que là, mine de rien, pour l'instant, il n'y a que le gros Massey qui fait quand même pas mal en termes de puissance. Et avec le déchaumeur et le semoir, il me faudrait un deuxième tracteur, peut-être pas aussi puissant parce que lui, il doit faire 300 chevaux et 305 chevaux. Donc c'est quand même pas mal. Mais je dirais peut-être ouais 250, ce serait plutôt cool d'avoir un tracteur un peu plus puissant quand même que les autres. Bon, c'est pas très droit ce que je fais. Et bon, heureusement maintenant les ouvriers sont un peu plus intelligents que dans les autres jeux. Enfin, les jeux précédents, donc ça devrait le faire. Ça devrait bien se passer. Je vais encore faire. Ouais, je vais encore faire une longueur avec vous. Puis après, on ira commencer à. À aller rouler avec le massé. Enfin, l'autre massé du coup.
Hop. Se mettre droit, enfin le plus droit possible. Alors vous allez peut-être entendre des pédales dans la vidéo. Enfin en tout cas je vais faire en sorte pour que ça s'entende pas trop parce que bon c'est ça peut être désagréable. Je vais essayer de faire ça. Regardez à ça. Hop. Après, il faudra qu'on pense aussi à racheter quelques champs. Bon là, je pense qu'on est bien quand même au niveau de la surface, mais un ou deux champs en plus, ce serait pas mal. Et pourquoi pas agrandir ce champ-là. Parce qu'il y a une petite portion en herbe au fond. Et je pense que ça pourrait être bien à labourer. Hop. Alors ouais, c'est vrai, l'ouvrier il va pas faire les détourages. Enfin, il va rien laisser parce que bon, en plus j'ai pas le GPS dessus. Et bon, hop, on va le laisser faire pour voir. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai pas besoin de le plomber, du coup, le champ. Hop, on va directement monter dans le vieux massé. Donc je pense que c'est celui-là que je vais changer. Enfin, c'est soit celui-là, soit le vieux JD, le vieux John Deere. Mince. Hop. Donc je sais pas trop, dites-moi en commentaire quel tracteur je change. Soit celui-là ou soit le vieux JD. Voilà, je sais pas trop lequel changer parce que bon, j'aimerais bien quand même en garder un que je peux mettre sur la mélangeuse ou sur d'autres petits outils voilà, pour faire des petits travaux. Moi personnellement, je pense que celui-ci il est plus adapté à ces petits travaux-là que. Parce que bon, John Deere il fait quand même. Il fait quasiment 200 chevaux, je crois. Enfin, celui-ci est pas très loin non plus. Il vient de faire 170 chevaux. Logiquement, parce que vu que c'est un 36-70, ça doit être ça. Hop. Je m'étais arrêté là. Hop, donc là, c'est un champ qui a été semé en maïs. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire un peu plus large quand même le rouleau parce que là ça va me prendre un peu de temps. C'est bon. Ça va non, c'est pas non plus. Ça va encore. Hop. Parce qu'après j'aurais pu acheter le rouleau de base du jeu là le gros rouleau mais bon il coûte quand même assez cher. Donc, je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là. En plus il est pas très cher. Donc voilà, puis il est bien fait je trouve. En plus on entend bien les bruits des rouleaux. C'est assez réaliste. Malgré qu'il soit pas très large. Bon, je pense que je vais en prendre un autre aussi à côté. Hein, parce que, bon, vu la largeur, si je commence à acheter des grands champs, ça va pas être terrible. Mais je pense que je vais le garder quand même. On verra ça par la suite. Hop, voilà. Je sais pas si vous entendez l'animation, mais elle est super bien faite. Hein. Je trouve
qu'elle est pas mal, pas trop mal. Bon, je vais me remettre comme il faut. Hop. Nickel. Désolé, je tousse un peu. Hop. Après, j'ai encore les deux champs d'à côté à faire aussi, mais ça, je le ferai en off, ou je mettrai un ouvrier après peut-être, parce que bon, il y a encore pas mal d'enrubanné aussi à faire. Donc je vais voir un petit peu comment ça va se passer. Tac. Apparemment l'ouvrier a terminé. Ah il a pas chômé. Hein. Je vais aller voir quand même 2 secondes. Hop. Ah d'accord, ok, il a un peu fait n'importe quoi. C'est pas ça que j'avais demandé. Ouais, donc ouais, du coup ce qu'il m'a fait c'est qu'il a juste fait les fourrières quoi. Bon, c'est pas très grave. On va le remettre à bosser. Ouais, du coup, pour pas me faire avoir, je vais le remettre là-bas parce que j'avais déjà commencé à laisser un petit bout en fin de champ. Pour pas qu'il me refasse la même chose là. On va le remettre ici. Tac. Nickel. Ok. Donc lui, il va faire son taf comme il faut. Hop. Et puis j'ai capté, il met un petit peu de temps aussi à se baisser le rouleau, comparé à certains. Hop. Voilà. Je vais en profiter un petit peu avec vous aussi pour vous parler de l'autre série qui se passe sur ma chaîne, donc la série Une ferme. Alors, j'ai oublié le nom de la série, ça commence bien. Ma ferme française, voilà. J'ai oublié totalement le nom de la série. Hop. Donc du coup voilà, pour l'instant il y a toujours des épisodes qui vont sortir. Hein. Bien sûr, toujours en compagnie de Félix. Voilà, donc je sais pas si on aura qui vont sortir. Parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une nouvelle vidéo donc avec Félix qui est sortie. Mais je sais pas si durant ces 15 jours. Je pourrais faire des vidéos avec lui. Voilà, je verrai un petit peu comment ça va se passer. Peut-être il y aura un épisode en solo. Je vais voir un petit peu comment ça va se dérouler, mais je pense qu'il risque d'avoir un ou deux épisodes dessus. Voilà, parce que je sais que vous aimez particulièrement les vidéos sur cette série-là. Donc bien sûr que je vais la continuer. En plus pour l'instant il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis. Donc faut vraiment que je m'y remette. Tac.
Voilà, donc je pense qu'après le reste, je vais laisser faire un ouvrier aussi. Puis on voit directement aller faire un peu d'enribanage. Je pense que ce sera cool pour ce 8e épisode. Voilà. Au moins comme ça, il y aura quand même pas mal de rendement en plus aussi avec le fait de rouler les champs. Voilà, pour l'instant, j'ai fait que celui qui est juste à côté, donc le 39. Voilà, donc lui, je vais le mettre à bosser là. On va regarder s'il se lance bien, il n'y a pas de problème. Nickel, ça part direct. Ok, donc là, ça, il a l'air de bien se débrouiller aussi. Ok, donc là, hop. J'avais déjà tout préparé avant, hein, bien sûr. Avec le Steam 155M et puis la nouvelle enrubanneuse, voilà, que j'avais acheté il y a de ça 2 épisodes, je crois. Un ou deux épisodes. Enfin, 2 épisodes plutôt. Donc, du coup, voilà, hop. Ah, j'ai oublié de mettre la machine en route. Activer le dépôt automatique. Ouais. Hop. Donc j'espère qu'il faut pas monter à chaque fois dans le tracteur. Enfin, ça m'étonnerait. Hein. Je pense qu'il prend. Il doit le prendre. Non? Ah si, il prend. Nickel. Et donc ça, bah, c'est le petit Manitou du coup, et j'ai acheté un gros pic-botte, puisque au début je voulais le faire avec l'autre JD, mais bon, j'étais un peu pris, j'avais d'autres choses à faire avec ce tracteur, donc du coup voilà, j'ai préféré racheter un petit pic. Bon, donc là ouais, c'est pas trop grave si bon, c'est un peu le bazar avec les boules. C'est pas très grave, parce que de toute façon après je vais le reprendre avec le. Je vais les reprendre avec le plateau, donc c'est pas très grave. Donc là normalement j'ai toutes les bottes, enfin les balles rondes en herbe qui ne peuvent pas être acceptées par la mélangeuse. Voilà, j'avais essayé, on ne pouvait pas les prendre. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais les enrubanner. Ça sera tranquille. Avec ça. Tac. Là, je pense quand même que je vais me faire pas mal d'argent. Parce que bon, ça rapporte quand même. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe au prix, mais je pense que il a réaugmenté. Parce que vu que j'ai désactivé le mode saison, maintenant les prix. Ne suivent plus, on va dire, les saisons, la hausse ou la baisse des prix. Donc je pense que
qu'il y a moyen. Hop, alors ce que je vais faire, je vais juste baisser un peu parce que le Manitou fait quand même pas mal de bruit. Tac. Voilà. Juste regarder le prix justement de l'enrubanné. Donc normalement c'est dans ensilage. Ouais, c'est en train de réaugmenter, c'est ce que je disais. Ouais, quand même à plus de 500 euros, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas trop mal, voilà, c'est assez intéressant. Donc ce pickbot, pour ceux qui veulent savoir, il était privé, mais maintenant il est disponible sur voilà, sur pas mal de sites de mode. Vous pouvez aller le télécharger, bien sûr. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est un des premiers picks qui est autoload, donc sur FS22. Enfin, pour l'instant, c'est le seul que j'ai dans mes mods qui est autoload. Bien sûr, il y a déjà les plateaux, mais les équipements pour télescopique ou autre, pour l'instant, j'avais pas encore d'autoload dessus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal d'en avoir, même si c'est pas très réaliste. Je trouve que ça améliore quand même la physique du jeu. Donc c'est pas plus mal, quoi. Ah, comme ça je vais me débarrasser de toutes ces balles qui me servaient à rien du coup. Ouais, donc l'ouvrier va bientôt avoir fini aussi sur la sur le champ 37. Hop, alors je vais peut-être. Ah oui, ok, d'accord. Je peux pas le prendre à la main. On va le prendre comme ça, hein, les gars. Voilà, au moins comme ça ce sera sur le côté, bon, c'est pas très grave. De toute façon après je vais tout reprendre avec le plateau roulant, donc c'est pas un problème. Je pense que je vais encore faire cette balle-là, puis après, après je finirai tout ça en peut-être en accéléré pour le prochain épisode. Voilà, comme ça il y aura un petit peu de contenu en plus. Hop, voilà. Mais donc du coup je vais arrêter là pour l'enrubanner. Hop, lui je laisse là-bas travailler tout seul, le vieux massé. Juste aller récupérer le déchaumeur. Voilà, tac. Bon, finalement, il n'aura pas mis beaucoup de temps. C'est pour ça l'intérêt d'avoir quand même des grosses longueurs de travail. J'avais pas fini, bon. Finir quand même. Histoire que ce soit propre. Pour semer, je pense que je vais semer du colza. Tac. Voilà.
Ça c'est fait. Bon, je vais juste le placer là. Ouais, de toute façon, après, il va falloir que je lave. Hop. Voilà. Ah, ça s'est pas fait exprès. Tac. Ouais, désactiver, hein. Comme ça, c'est mieux. Hop. Ah, vous pouvez voir un peu la vue aérienne, voilà, de la ferme. Avec le massé qui travaille là-bas. Donc je pense qu'on a plutôt bien avancé là les amis. Quasiment tous les champs sont semés. Enfin il y a juste celui-ci encore à semer. Je vais mettre du colza dessus. Hop. Puis ouais c'est vrai, il faut que je vous montre le semoir. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Voilà, donc c'est le Orge Pronto. 9 DC. Donc il doit faire 9 mètres du coup. Bon, c'est un semoir qui était sur à peu près tous les farmings, qui n'est pas sorti de base sur celui-ci, mais vraiment c'est un mode qui est vraiment cool je trouve, voilà. En tout cas je pense que ça va bien nous aider pour semer assez rapidement, donc c'est plutôt pas mal. Hop, ouais, comme ça c'est pas trop mal. Voilà. Nickel. Du coup, bah les amis, voilà, on va se laisser enfin, je vais vous laisser pour ce 8e épisode. En tout cas, bah, j'espère qu'il vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fera vraiment toujours plaisir, hein. Bien sûr, je prends le temps, évidemment, de lire tous vos messages, tous vos commentaires. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir, les gars. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, si vous avez envie, bien sûr. À activer la cloche de notification aussi pour ne rater bah, aucun des épisodes qui vont sortir, je l'espère, assez rapidement. Voilà. Ça va dépendre si j'ai le temps ou pas, mais je pense que ça va sortir quand même assez rapidement les différentes vidéos. Et donc, bah, moi, sur ce, les gars, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!